Et bonjour tout le monde, rapport du jour 3, cycle 6, vaisseau 4. Donc j'ai réussi jour 1, jour 3, cycle 2, un cycle 2 à comment dire, à trouver un le disque de Sunton et j'ai débloqué les deux premières bases. Ensuite, nous avons Jean, notre jardinier qui est inactif et on a des personnes qui ont mangé des bananes, comme on peut le voir dans notre laboratoire. Donc c'est très problématique, ça veut dire que notre autosuffisance en oxygène, outre évidemment le fait que les quand ça s'appelle les réservoirs vont se casser, etc. Bah ça va pas être du tout au jour 5 ou 6. Ça va plutôt être au jour 10 et 11. Et encore, c'est compliqué. Et du coup, nous avons aussi plusieurs d'autres petites choses. Par exemple, là, très récemment, j'ai voulu... comment dire, j'ai voulu améliorer, rechercher un petit peu dans la base de données. Je suis tombé sur l'une des deux cases qui te fournit l'obsidiane. Bon, c'est pas grave. Les personnes ont deux cycles, ont trois cycles et plus pour pouvoir la remettre. Au pire, j'ai mangé une ration pour, comment dire, assurer un coup. Et voilà, on a aussi un vaisseau étranger qui propose ça. De un hydropot pour VO2, ce sera peut-être pas déconnant. On verra comment ça avance, mais ça, ce sera peut-être pas quelque chose de mauvais. Sinon, bah voilà, on a aussi Terence qui a amélioré les drones et ensuite de mettre turbo, il a mis un pilote. Donc en fait, le problème avec les pilotes, c'est que ils mettent un certain temps avant de redescendre. Et et quand on va avoir des grosses vagues, ben, on va pas toujours vouloir, comment dire, zigouiller tous les hunters et se barrer. Donc du coup, ça peut être très compliqué. Comme Stéphane le dit, avoir un filet magnétique, ça pourrait être utile. Sinon, il y a Jinsu qui est apparemment pilote et tireur qui veut devenir astrophysicien. Alors, je vais faire un commentaire hors caméra pour dire non. Parce que là, on a deux spécialistes. Voilà. Ensuite, on a eu quelques petits équipements cassés de temps en temps. Bref. Et puis voilà, c'est tout. On va saluer tout le monde et puis à la prochaine. Tiens, on va juste regarder comme c'est dans pas longtemps, qu'est-ce que le changement de cycle va nous donner. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, jour 5, 3, cycle 7, il s'est rien passé. Bon, du coup, à la prochaine. Et bon, on se verra. Hop là.